La Raimanta océanique, également connue sous le nom scientifique de Mobula birostri, est une espèce de raie marine qui se trouve dans les océans du monde entier. Voici une description de la Raimanta océanique. La Raimanta océanique est l'une des plus grandes espèces de raies au monde. Elle peut atteindre une envergure de 5 à 7 mètres, bien que certaines individus exceptionnellement grandes puissent atteindre jusqu'à 9 mètres. Elle possède un corps plat et large, avec des nageoires pectorales en forme d'aile qui lui donnent une apparence gracieuse lorsqu'elle nage. La Raimanta océanique a une couleur de peau sombre sur le dessus, généralement de couleur noire ou bleu foncé, tandis que le ventre est plus clair. Caractéristiques distinctives, la Raimanta océanique se distingue par ses deux grandes nageoires céphaliques en forme d'aile qui s'étendent de part et d'autre de sa bouche. Ces nageoires ressemblent à des cornes et sont utilisées pour diriger l'eau vers la bouche de la raie lorsqu'elle se nourrit de plancton. Contrairement aux raies venimeuses, les Raimanta océaniques ne possèdent pas de dards venimeux. Comportement et alimentation. Les Raimanta océaniques sont des animaux pacifiques et inoffensifs pour les humains. Elles se nourrissent principalement de plancton, de petits poissons et de krill. Elles utilisent leurs grandes nageoires céphaliques pour créer un courant d'eau qui attire les proies vers leur bouche. Les Raimanta océaniques sont souvent observés en train de se nourrir près de la surface de l'eau, où le plancton est plus abondant. Habitat, les Raimanta océaniques sont des créatures pélagiques qui se déplacent principalement dans les eaux chaudes et tempérées des océans tropicaux et subtropicaux. Elles peuvent être trouvées dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. Elles préfèrent les eaux côtières peu profondes, mais elles peuvent également se déplacer dans les eaux plus profondes. Migration, les Raimanta océaniques sont connues pour leur migration saisonnière. Elles se déplacent généralement dans les eaux chaudes pendant les mois d'été pour se nourrir et se reproduire, puis migrent vers des eaux plus froides pendant les mois d'hiver. Certaines populations de Raimanta océaniques effectuent des migrations à grande échelle, parcourant des distances considérables d'un océan à l'autre. Interaction sociale. Les Raimanta océaniques sont souvent observés en groupes appelés « agrégations ». Ces agrégations peuvent compter jusqu'à plusieurs dizaines d'individus, mais il n'est pas encore clair si ces groupes sont formés de manière permanente ou temporaire. Les Raimanta océaniques sont également connues pour leur comportement grégaire, où elles se rassemblent autour de sites de nettoyage où des petits poissons et des crevettes retirent les parasites de leur peau. Reproduction, peu d'informations sont disponibles sur la reproduction des Raimanta océaniques en raison de leur comportement largement pélagique. On sait cependant que les femelles donnent naissance à des petits vivants, appelés juvéniles, après une période de gestation d'environ un an. Les juvéniles sont généralement plus petits que les adultes et ont une couleur de peau plus claire. Espérance de vie. Les Raimanta océaniques ont une espérance de vie relativement longue. On estime qu'elles peuvent vivre jusqu'à 50 ans ou plus dans la nature. Cependant,
il est difficile de déterminer précisément leur longévité en raison de la difficulté à suivre individuellement ces animaux migrateurs. Recherche scientifique. Étant donné la rareté des raies manta océaniques et leur comportement pélagique, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces animaux. Les chercheurs utilisent diverses techniques pour étudier les raies manta océaniques, notamment le marquage par satellite, les observations visuelles et l'analyse des données de plongée. Ces études permettent de mieux comprendre leur comportement, leur schéma de migration et leur population. Conservation. Les raies manta océaniques sont actuellement considérées comme une espèce vulnérable selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Elles sont menacées par la pêche commerciale, la pollution, la destruction de leur habitat et les collisions avec les bateaux. Plusieurs pays ont mis en place des mesures de protection pour les raies manta océaniques, notamment l'interdiction de leur pêche et la création de zones marines protégées. Interaction avec les humains. Les raies manta océaniques sont des créatures populaires auprès des plongeurs et des amateurs de snorkeling en raison de leur taille impressionnante et de leur comportement gracieux. De nombreux sites de plongée à travers le monde offrent des opportunités d'observer et de nager avec les raies manta océaniques dans leur habitat naturel. Cependant, il est important de respecter les règles de protection des animaux marins et de minimiser toute perturbation de leur comportement naturel. Écotourisme. Les raies manta océaniques sont devenues une attraction majeure pour l'écotourisme dans de nombreuses régions du monde. Les plongeurs et les amateurs de snorkeling ont la possibilité de nager aux côtés de ces magnifiques créatures, offrant une expérience unique et une sensibilisation à la conservation des océans. Cependant, il est important de pratiquer un tourisme responsable en respectant les directives pour minimiser les impacts sur les raies manta océaniques et leur habitat. Les raies manta océaniques sont des animaux remarquables qui suscitent l'intérêt et l'émerveillement des scientifiques, des plongeurs et des amateurs de nature du monde entier. Leur taille impressionnante, leur comportement gracieux et leur rôle écologique en font des espèces emblématiques des océans. Pour assurer leur conservation, il est essentiel de protéger leurs habitats, de réduire les menaces anthropiques et de promouvoir des pratiques de tourisme durable.